J'aimais déjà l'alimentation avant. J'aime la bonne nourriture, j'aime manger, j'aime faire à manger aussi. Et je trouvais que la technique pouvait peut-être me permettre ça, en plus de comprendre comment certains aliments sont faits. Mais je pense que le plus gros défi par rapport à la technique, c'est de la faire connaître. Dans le fond, notre but, exemple comme technicien en diététique, dans les milieux, exemple hospitaliers, c'est juste de les aider par l'alimentation à guérir, sans nécessairement les priver de quelque chose. C'est sûr que c'est pas nous qui va dire à tel patient, t'as pas le droit de manger ça, c'est une nutritionniste, mais nous, on va le mettre en application, on va y montrer, exemple, quel plat manger pour réussir à, exemple, avoir tous ces nutriments ou toutes les vitamines qu'il y a de besoin. On peut faire du contrôle de qualité, on peut faire de l'inspection, on peut faire, dans le fond, où qu'il y a de la nourriture, il peut avoir une technicienne. Une technicienne en diététique, en fait, à la suite de l'obtention de son DEC, elle peut travailler en nutrition clinique ou en éducation en nutrition. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que la technicienne peut travailler aussi en contrôle de la qualité, en industrie, ou en recherche et développement, toujours en industrie. Sinon, elle peut être responsable de l'étiquetage. Elle peut aussi travailler en gestion des services alimentaires. Et finalement, elle peut travailler comme inspectrice. La plupart des employeurs sont surpris des compétences acquises des étudiants. Donc, souvent, c'est pourquoi ils les gardent après leur stage. Donc, la technicienne en diététique qui va travailler dans nos laboratoires ou dans notre usine, va faire principalement des analyses microbiologiques, que ce soit la mise en plaque ou l'appareil PCR. Donc, va faire différentes analyses physico-chimiques également et va faire des tournées en usine, que ce soit la vérification préopérationnelle ou les vérifications pendant la production pour vérifier les différents paramètres. Ces tâches sont très importantes afin de pouvoir suivre le procédé et le produit du début jusqu'à la fin. Ce qui est le fun ici, c'est dans le fond, c'est très varié. Donc, autant que je peux faire du suivi de production, aller dans l'usine, autant que je peux faire beaucoup de laboratoires. Ce que j'aime vraiment beaucoup, là, c'est vraiment traiter les produits, ces choses-là. J'ai fait le bon choix en allant faire la technique de diététique parce que c'est un programme qui est très large. Donc, on a beaucoup la chance de travailler dans différents milieux et chaque personne trouve sa place, ça, c'est sûr et certain.